golden years of Faerûl's history. King Bronna's peaceful rule brought prosperity to Faerûl. But alas, as his majesty's reign neared its end, a dark cloud loomed. Vexor, the king's most trusted sorcerer, turned towards chaos and violence, casting a shadow upon our land. After murdering the king in his sleep and razing the capital, Vexor fled to Heraziel, seeking to summon Omus, the god of chaos. In that dire moment, Queen Rosamund emerged, inspiring the kingdom. Three unlikely heroes confronted Vexor and sacrificed themselves to destroy the portal. After their heroic sacrifice, a new decade of peace and prosperity dawned upon Faerûl under Queen Rosamund's wise rule. For many years, the land flourished in tranquility once again. However, over time, Queen Rosamund has become increasingly paranoid and now seeks to fund a mysterious project by taxing her citizens and enslaving those who cannot afford to pay. The Mad Queen's intentions are unknown, but rumors from afar speak of altered landscapes, mysterious machines, and monsters not seen since the Chaos Wars. Gathering in the shadows, courageous hearts have forged an underground resistance, bravely opposing the Queen's regime. Overpowered by the might of the Queen's Guard, many have fallen. And with that, Faerûl's last glimmer of hope is fading swiftly. Who will stop Queen Rosamund? Et bien le bonjour les petits chats, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve sur un tout nouveau jeu, For the King 2. J'avais déjà fait le premier, il était plutôt sympa du coup à voir ce que va donner le 2. Il vient de sortir, c'est donc un petit jeu indépendant de type stratégie RPG. Qui peut être joué en multijoueur, du coup on va incarner... Bah vu que je vais être en solo, moi je vais prendre contrôle des 4 petits personnages et puis on va aller faire une campagne, donc du coup contre la reine là de ce qu'on a vu. Mais sinon en multijoueur, il peut se jouer jusqu'à 4 où justement chacun contrôlera un petit personnage. Du coup on a la campagne, le multijoueur, la boutique du savoir, l'encyclopédie, tout plein de choses. Nous je pense qu'on va faire la campagne et puis après on avisera. Hein. Bon, on va déjà se lancer dans la campagne. Du coup, les amis, c'est parti pour la campagne. Ok. 5 chapitres. La résistance. Bah écoutez. Alors, qu'est-ce que ça dit? Chaque aventure présente son lot de défis et de récompenses. Les défis sont optionnels, mais vous permettront de repousser les limites. Ok. Changer la difficulté, histoire de rendre l'aventure plus facile ou plus corsée. Ou bien personnalisez-la selon votre style de jeu. Mais attention, cela aura une incidence sur le montant de savoir en fin d'aventure. Ok. Mission du mode histoire. Dans le pays ravagé par la tyrannie de la reine, une rumeur se répand comme une traînée de poudre. Il paraît que la résistance s'organise. Ce nouveau mouvement rebelle ose condamner les actions royales et lutter pour un avenir meilleur. Défi d'aventure, donc quelque chose d'inconnu. Battez le chrono, terminez l'aventure en 50 manches maximum. D'accord. Du coup, de la difficulté, on a novice, standard, virtuose. On va prendre standard, hein. Je pense que c'est pas mal, standard. Vitesse du chaos. Filtration du marché. Inflation du marché. Ok. Alors, voici la gestion de l'équipe. C'est ici que vous pouvez composer votre équipe, déterminer votre charge et vous préparer pour l'aventure. Sélectionnez le bouton modifier, l'icône de crayon, pour modifier votre personnage. Ok. Supprimez les personnages avec X ou ajoutez à l'aide du plus.
D'accord, donc là on a nos quatre personnages. Donc on a un érudit, garçon d'étape, forgeron, herboriste, chasseur. D'accord. On peut lui donner un nom. Bah attendez, hé. On va en faire un qui s'appellera Saphira. D'accord. Du coup, moi je vais être qui? Moi je serais bien herboriste en vrai. Herboriste, on est d'accord que c'est, ça doit être d'huile. Du coup, on va l'appeler Saphira, femme. Aucun, c'est. Mais non, pourquoi ça, c'est. Aucun. Aucun. Ah, c'est pour le. C'est pour l'équipement, ça, non? Ah oui, d'accord. D'accord. Je vois. Eh, on va mettre ça, c'est classe. Plastron. Ouais, on va mettre celui de base. Le chapeau. Ok. Les cheveux, on va partir sur du violet parce qu'on est comme ça. Et en primaire, on peut pas prendre un rose un peu plus pâle? Non? Bah, ça sera parfait. Ça sera parfait. En deuxième, garçon d'étape, forgeron, herboriste, chasseur. Chasseur, ça peut être bien. Faudrait peut-être un érudit aussi. Mais il me dit pas. Ah oui, information de la classe. Bah, si! Garçon d'étable! Sans faille du paysan, vaut bien, ok. Épée en bois, allume feu. D'accord, comment je ferme? Laissez-moi. Ah! J'avais pas vu. La classe fait référence à. L'archétype de votre personnage. Chaque classe possède des compétences et un équipement de départ qui lui sont propres. Les compétences sont des caractéristiques passives uniques à chaque personnage. Elles sont capitales lors de votre aventure. Travail acharné, ok. Ça, c'est les stats, ok. Serviront pour les déplacements ainsi que les combats et détermineront l'efficacité de vos jets pendant votre périple. Chaque jet reposera sur une stat spécifique. Alors, planifiez bien chacune de vos actions. Du coup, on a la force. Enfin, je suppose que c'est la force. Voilà, force. Vitalité. Intelligence. Vigilance. Talent. Vitesse. Et chance. La chance. Ouais, du coup, je pense qu'on va. On va prendre un garçon d'étable. Hein. Garçon d'étable. Et du coup, l'herboriste, ça dit quoi? Ah, elle fabrique des herbes. Recherche d'herbes, passif, soin d'équipe. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Du coup, le garçon d'étable, on va l'appeler. On va l'appeler Pagis. Voilà. Et on va lui mettre les cheveux rouges, par contre. Un minimum. Et même sa tenue, on va la mettre en rouge foncé. Ça me paraît pas mal. Ensuite, j'aimerais bien un érudit. Clairement, lui, ça va être la magie. Et un chasseur, ça me paraît pas mal. Hein. Quoique le forgeron aussi, ça pourrait être bien. Ok, on va mettre un chasseur, ce sera une femme qu'on va mettre en violet. Ouais, comme ça, ça paraît pas mal. Et on va l'appeler Carlette. Ça... Mais non, mais retire-moi les informations de la classe. Et pour finir, on va prendre du coup un érudit qu'on va appeler Kaibito. Voilà. On va le mettre plutôt en... Ah non, peut-être pas les cheveux comme ça. Tac. Peut-être plutôt la tenue. En bleu. Voilà.
mais ferme-moi ça. Ferme-moi ça, ferme-moi tout ça. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Ça fait une belle team, non? Allez, on est prêt. On est parti. Let's go. Quoi? C'est l'heure des préparatifs. On n'a toujours pas parti, en fait. Chaque personnage peut dépenser des points de charge sur des objets de départ qui seront précieux par la suite. N'hésitez pas à collaborer. Ok. Donc, j'ai 5 points. Alors, ça c'est quoi? Ça, c'est du soin. Un nouvel objet. Vous pouvez retrouver un résumé en bas de la carte. Intéressez-vous surtout à la rareté, car des nouveaux objets apparaissent de temps en temps. Je peux prendre les deux? Non, s'il y en avait qu'un. Oui, ok, c'est bon. Donc je prends ça. Cette plante guérit du poison. Bah après, je suis herboriste, donc logiquement, je vais prendre tout ce qui est plante, moi. Pour rendre 3 points de concentration. Moi, je prends tout ce qui est plante. J'ai encore un peu de place. On va prendre la bourse de 10 pièces. Ok. Ensuite, Pagis, lui, va peut-être prendre l'allume-feu. C'est pour monter un camp où les membres de l'équipe pourront restaurer leur santé et regagner leur concentration. Ouais, il va prendre ça. Change de coup critique plus 10%. Ah, allez, il va prendre aussi... immunité au piège. Ah, c'est bien aussi. Il y a plein de trucs qui sont bien. Ok. Ensuite, il nous reste Kai. Kai, il va prendre... Il va prendre les parchemins de téléportation. Et des crochets. Et pour finir, on a Carlette. Qui va pouvoir prendre du distance de détection plus 1. Elle va prendre la longue vue. Et les gants. Ok, cette fois je crois que c'est bon. On est tout bon, on est prêt. C'est parti. Bon, ce fut un départ compliqué, mais ça y est. Parti. Ah, technique, excusez-moi. Cliquez pour continuer. Donc je clique. Mince alors, voilà bien une éternité que nous n'avons pas accueilli d'aventuriers. Difficile de croire que 20 années se sont écoulées depuis la guerre du chaos, pas vrai? Donc depuis le premier, techniquement. Même ce cornichon de Vexor me manque. Croyez-moi, c'était un angelot à côté des maroufs. On se coltine de nos jours. Ah bah, dis donc, le langage est compliqué, hein. Quelle calamité. J'aurais préféré encore que le ciel me tombe sur la tête. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Farul traverse une mauvaise passe. Notre brave reine est partie en vrille. Elle est partie en vrille! Nous autres petits gens, on vit dans la terreur. Notre reine était pourtant si gentille autrefois. Si vous êtes là pour l'aider, venez me retrouver à Paran. Je vous dirai tout ce que je sais. Ça devrait pas être long. Ok, objectif. Allez là-bas. Gardez un œil sur le minuteur là-haut. Il ne doit pas atteindre zéro. Le minuteur. Il y a un minuteur. Ok. Bienvenue. Farul, surveillez bien la chronologie ci-dessus. Elle vous montre la manche actuelle, l'évolution du chaos, les événements spéciaux et la période de la journée. Prenez garde au chaos. Vous pouvez voir les événements qui lui sont liés sur la chronologie. Survolez les icônes du chaos sur la chronologie pour en savoir plus. Il existe plusieurs types de chaos et ils sont tous des effets différents. D'accord, donc c'est ça. Les cœurs représentent votre total de vie. Lorsque les réceptacles sont vides, les membres de l'équipe n'auront plus qu'une vie restante après cela.
l'aventure s'achèvera. On va essayer de pas mourir, ça pourrait être bien. Effectivement. Ceci est votre journal de quête. Il contient vos objectifs principaux et secondaires. Sélectionnez l'un d'eux pour obtenir des indications. Ok. Ces portraits de personnages, ou ATH, comportent des informations importantes. La santé, l'armure, la résistance, les immunités, les statuts. Survolez l'un de ces... survolez l'une de ces infos pour en savoir plus. C'est bon? On y est, on est parti? D'accord. Directement, il y a une araignée. Eh ben écoutez, on va aller taper l'araignée. Les cases rouges représentent la portée d'attaque de l'ennemi. La zone en surbrillance attirera tous les ennemis et alliés à proximité. Réfléchissez bien avant d'agir. J'aurais peut-être dû réfléchir avant d'aller attaquer cette araignée. Vous croisez des ennemis tout au long de votre périple. Mais ils peuvent aussi vous attaquer sans crise égard. Préparez-vous à engager un combat à tout moment. Les alliés ennemis du combat en cours seront affichés au-dessus des actions. Ne perdez pas de vue qui vous affrontez. Sauf si vous subissez une embuscade, vous pouvez affronter des ennemis, tendre des pièges et user de discrétion au cours des combats. La concentration lors des embuscades et des actes de discrétion vous permettra sans doute de triompher des duels ardus. Ok, donc soit je la combats, soit je fais une embuscade avec 43% de chance de réussite. Se faufiler, j'ai 38%. Ou alors je peux reculer. On va tenter l'embuscade. C'est un échec. Cool! Tu foires à l'embuscade. Ouch! D'accord, donc là on voit déjà que j'ai plus que 26 sur 32 de vie. Et en plus de ça, je suis seule au monde. Cool. Voici le menu des combats. Sur la gauche, vous trouverez le nombre de cibles. La portée, les dégâts et les chances de réussite. À droite, une liste présente toutes vos actions possibles par tour. Ok. Guérir, déplacement, fuir, équiper une arme, passer le tour. Ok. Ok. Bon, moi, ça va, on suit. Le diamant représente les actions principales, comme les attaques. Le tour se termine une fois que celles-ci sont épuisées. Le carré représente, quant à lui, les actions secondaires. Il s'agit d'actions de soutien, telles que le soin ou le déplacement. Dépensez-les à bonne escient pour l'emporter. La chronologie du combat affiche l'ordre des initiatives. Pour la manche actuelle et les manches suivantes, l'icône la plus à gauche agit en premier. Pour changer de cible, sélectionnez les portraits des ennemis. Et également, c'est également ici que les effets de statut apparaissent. L'armure bloque les attaques physiques. La résistance permet quant à elle de bloquer les attaques magiques. Les attaques de mêlée ne peuvent s'effectuer que sur la première ligne. Placez bien vos spécialistes de l'épée et du marteau à l'avant. Ok. Beaucoup de choses à intégrer. Mais ça va aller. On va s'en sortir. Avec une compétence, utilisez votre concentration en effectuant un clic droit sur la case ciblée pour concentrer une attaque ou une compétence. Faites un clic droit sur l'ennemi ciblé. On va faire tout ça en pratique. Ça ira vachement mieux que la théorie quand même. Retrouvez vos objets à utiliser au combat sur votre ceinture à outils. Ils requièrent des points d'action secondaires et peuvent sceller votre destin pendant la bataille. Sauf que j'ai rien du tout. Ah si, j'ai mes plantes. J'ai des plantes. Consultez votre statut d'équipe ici. Les effets de statut et les immunités s'affichent lors de leur activation. Si rien ne fonctionne et que vous ne savez plus quoi faire, vous pouvez passer votre tour ou prendre la fuite. Ce n'est pas grave de reprendre un combat plus tard. Effectivement, vaut mieux rester en vie.
L'agilité est primordiale pour votre aventure. Ayez le pas léger et placez-vous à un endroit stratégique. Les déplacements coûtent une action secondaire et vous permettent de vous déplacer d'une case. Vous pouvez consulter la santé, l'armure, la résistance et les statuts d'un ennemi, en particulier sur son ATH. Et c'est là. Ok. Elle a 10 de vie. Ah, y a moyen de la tuer, non? Ok! Nous y voilà, donc. Ça, c'est pour taper. Vous ne sentez pas que vous faites pas le poids? Ah, non, je le sens pas, moi, que je fais pas le poids. N'ayez pas peur de prendre vos jambes à votre cou. Sélectionnez fuite, puis un personnage, afin de filer par la ligne arrière. Ça veut dire quoi? Faut que je fuis? Ok, je fuis. Je crois que j'ai pas réussi à fuir, non? J'ai pas réussi à fuir. Aïe! Ok, on va retenter la fuite. J'arrive pas à fuir. Ah, c'est parfait, ça. C'est eux, ils m'ont dit de fuir, mais en fait, c'était pas une bonne idée. J'aurais mieux fait de me battre, hein. En vrai, j'aurais carrément mieux fait de me battre. Ils me disent de fuir, mais non. Et je suis piégée. Ah non, ça, c'est pas cool. Lorsqu'un membre de l'équipe se retrouve pris au piège, il ne peut ni bouger ni attaquer au corps à corps. Des objets et capacités pourront vous tirer des situations délicates comme celle-ci. Non mais attends, je lui mets un autre rayon dans sa tête et puis c'est bon, on n'en parle plus de ton araignée. Voilà! Voilà! J'avais bien qu'il fallait pas fuir, pourquoi ils me disent de fuir? Des pièces d'or x4! Cool, je prends, bah bien sûr que je prends. Mais ça, je prends aussi. Et moi, je prends tout le butin. Il n'y a pas de problème. Donnez-moi le butin. Donnez la monnaie, monnaie. Ok. Du coup, je peux continuer à avancer. Vous avez effectué toutes vos actions et êtes prêt à terminer le tour. Sélectionnez le bouton fin du tour dans le coin inférieur droit de l'écran pour y mettre fin. Fin du tour. Donc là, ça va passer à Pagis. Au début de chaque tour, votre personnage fait un jet de compétences qui va déterminer la distance à parcourir. Prenez garde, car certains endroits vous ralentiront, tandis que d'autres vous feront y aller plus vite. Le nombre au-dessus de votre personnage indique la distance que vous pouvez parcourir pendant le tour en cours. De plus, vous avez la possibilité de convertir votre concentration en point de déplacement. Pour moi, ça va peut-être pas être nécessaire. Pagis, il va me rejoindre et puis ça ira très bien. On fait fin du tour. Ceux qui passent donc à Kai. Waouh, il a beaucoup de déplacements, Kai. Kai, il va même venir venir jusqu'ici. Voilà. Et pour finir, à Carlette, bah Carlette, elle est à la traîne. Voilà. Fin du tour. Du coup, ça revient à moi-même. Et il faut qu'on aille ici. Alors, on va passer par là. Ah ? Ah, qu'avons-nous là? Les héros de pierre sont des monuments dédiés aux anciens héros. Rendez leur visite pour gagner de l'XP et recharger votre concentration. Bah, c'est parfait, ça. Regardez, un héros de pierre. Ces aventuriers de légende ne tomberont pas dans l'oubli car leurs actes héroïques ont été gravés dans la pierre. Rendez leur visite pour récupérer votre concentration et remporter de l'XP. On construira peut-être une statue à votre effigie un jour. Oh ouais, trop bien. Vous vous trouvez devant un monument édité. Ok. Pour le roi virtuose. Les héros de pierre remplissent la concentration d'un personnage et donnent de l'XP. Mais vous pouvez leur donner un tribut qu'une seule fois. Ah, ça veut dire qu'en fait, si moi je le fais, Pagis, Kai et Carlette ne pourront pas le faire.
en souvenir des valeureux héros qui ont risqué leur vie durant la guerre du chaos. Ok. Bon bah... Ouais, on va faire fin du tour. Pagis, il peut venir jusqu'à Kai. Pas plus. Kai, lui, il avance beaucoup. Je pense qu'on va passer par le... Ouais, soit on passe... Il y a ce machin-là, là. Je sais pas si ça me fait attaquer avec lui. Le problème, c'est que je sais pas trop. Parce que tout à l'heure, je me suis retrouvée toute seule. Je voudrais éviter que cela se reproduise. Surtout que Carlette est loin. Carlette est très loin. Carlette, faut qu'elle avance un peu plus vite que ça. Hein. Là, c'est la bestiole qui risque de nous attaquer, non? Non, c'est à moi. Je peux passer à côté sans l'attaquer? Voilà, je suis arrivée. Oh, voilà, enfin. Toutes ces surprises sont mauvaises pour mon vieux cœur. Sur ordre de la reine, la garde royale s'est mise à arrêter quiconque s'attire ses mauvaises grâces. Bon nombre de ces pauvres bourgs ne feront jamais surface. Sera-ce ma prochaine destination? Une jeune fille du nom de Griselle a été capturée et se trouve actuellement à la caserne. C'est une brave fille. La résistance la considère comme une sorte d'héroïne. La pauvre enfant va être exécutée. Nous devons la libérer pour mettre fin à cette tyrannie. Il nous faudra pour cela infiltrer la caserne. Pour mettre les chances de notre côté, il faudra causer suffisamment de désordre pour distraire la garde royale. Ils courront dans tous les sens et oublieront de surveiller la caserne. Rien de tel qu'une bonne vieille bagarre à la taverne locale pour attirer l'attention des gardes. Ça ne sera ni la première ni la dernière. Objectif de quête, semer le chaos à la taverne. Eh ben on va aller semer le chaos. Oh, je crois savoir qu'un navire de ravitaillement est en route pour Ponton de Richebois. Si ce bateau venait à brûler, les gardes verts et rouges. Mettre le feu. Ah, oh, on va tout faire cramer. Ça, c'est beau. Bienvenue dans votre première ville. Les marchés citadins proposent une grande variété de marchandises et de services qui vous prépareront au mieux pour l'aventure. Vous pouvez acheter et revendre des objets. Besoin de soins, les villes s'occupent de tout avec leur auberge, leur service de méditation pour la concentration et leur prêtre qui retire les malédictions. Vous aimez les péripéties? Les villes vous offrent de nombreuses quêtes secondaires qui accroissent des butins et d'autres avantages. Choisissez bien car vous ne pouvez prendre qu'une quête par ville. Oh, moche! Besoin d'un petit coup de main? Vous pouvez embaucher des mercenaires dans toutes les villes. Contre une modique somme. Ils combattront à vos côtés pour une durée limitée. Ça, c'est pas mal du tout aussi. Ok, voyons le marché. Je peux acheter un chapeau ou des bottes. Armure, esquive, vitesse. Immunisé aux embuscades. C'est pas mal ça. Parce que du coup, ah oui, du coup, c'est moi qui ai tous les sous. On est d'accord que... Je peux pas voir, Pagis? Non, je veux pas faire la fin du tour. Je veux voir... Ouais, là, c'est marqué. Je suis devant, évidemment. Mais là, sur Carlette, on voit qu'il y a 0 pièces. Moi, j'en ai 14. C'est moi qui ai toute la monnaie du groupe. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Attendez. C'est moi qui ai toute la monnaie. Rhume épicée. En vrai, ouais, je vais me prendre du matériel. Hein. On va s'acheter ce joli petit... acheter et équiper. Non, mais j'ai pas de sous pour tout ça. Ça coûte cher. Y a pas moyen de vendre, par contre.
pierre de sécurité. Jusqu'à votre dernière visite de ville, ok. Parce que, admettons que je voudrais vendre ça. Ah d'accord, je peux vendre, mais sinon je peux donner aux autres, mais ils sont trop loin. Dans les services, du coup. Il y a tout qui est payant. Oh non, mais j'aurais dû peut-être demander à me soigner. Parce que en vrai, j'ai pas de vie, mais écoutez, c'est pas grave. Alors, les quêtes. Chaque quête secondaire vous octroie une récompense spécifique. Attention, cependant, car votre mission peut être ardue. Ok, donc là, on a un superbe marteau. De la monnaie. Beaucoup de monnaie. Un peu moins de monnaie. Et beaucoup de monnaie aussi. Sauf que je ne sais pas qui c'est qui peut porter ce marteau. Besoin d'une créature enragée de type gelée verte. Ils me disent pas trop si j'ai le niveau pour le faire ou pas. Je pense qu'on va peut-être plutôt prendre... un troll royal! Un magicien? Ou un autre type roi... On va aller taper du troll royal. Ouais, c'est du gros troll. Hein. Ok. C'est du gros troll. On va mourir. Ok, on va faire fin du tour. On va du coup... commencer à se diriger par là. En plus, on est là ici, il y a des trucs à faire cramer, donc c'est pas mal. Pas juste qui passe devant. Ah bah du coup, Kaï va faire un petit peu faire demi-tour. Voilà, il vient se caler là avec Pagis, ce sera très bien. Carlette, elle devrait pouvoir les rejoindre. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée, mais Carlette, elle va se rapprocher. Qu'avons-nous là? Difficile de se frayer un chemin dans les donjons du royaume. Protégé par un terrible gardien, ces souterrains regorgent de trésors. Attention, pour vous en échapper, vous allez devoir tout nettoyer sur votre passage. Ok, non mais on n'y va pas pour moi. Il manque plus que moi-même. Je vais tenter de me rapprocher de ce troll. Techniquement, on est tous dans la zone de combat là, non? J'espère qu'on sera tous dans le combat. Si je me retrouve encore toute seule, je vais mourir, mais... Et techniquement, je crois bien qu'il y a tout le monde. On va tenter l'embuscade. Hein. C'est le foirage de l'embuscade. Dites-moi qu'on est tous là, par contre. Ouais, c'est parfait. Alors, par contre, il n'y a que Pagis qui est devant. Oh, Carlette! Oh, Carlette, elle a pris cher! Oh, pauvre Carlette. Certains ennemis prennent plus de place qu'un minuscule gobelin. Vous allez devoir cibler les tuiles situées juste en dessous d'eux. Vous pouvez les toucher sans effort, mais ils sont redoutables. On n'aurait peut-être pas dû aller attaquer un troll. On n'aurait peut-être clairement pas dû. Ok, on n'a pas juste qu'il peut commencer à taper. Du coup, il a entaille, poignardé, déplacement... S'il réussit, il peut briser son armure. Ça peut être bien, ça, non? Carlette, elle a passé le tour parce qu'elle était complètement sonnée par cette incroyable attaque qu'elle a prise dans la tête. Non, ce personnage n'a plus beaucoup de santé. Vous allez devoir le soigner rapidement. Trouvez l'auberge la plus proche ou utilisez une barre de lieu pour reprendre le combat. Ouais. Je vais m'occuper de Carlette. Faut pas s'inquiéter. Kaibito. Il va nous faire une petite explosion. Les éclaboussures peuvent cibler plus d'un joueur ou plus d'un ennemi à la fois.
Les éclaboussures peuvent cibler plus d'un joueur ou d'un ami à la fois. Si le principal prendra au maximum les dégâts restants, perdront 50% de dégâts. Les attaques de zone frappent tous les ennemis dans une zone spécifique. Toutes les cibles subiront même quantité de dégâts. Ok, ouais, c'est parce qu'il fait de la magie. On m'explique un peu comment ça fonctionne. Mais je veux juste que... Il a combien de vies, le machin? Oh, on va tellement mourir. Ça, c'est moi-même. Guérison, guérison. Ça me dit pas combien je soigne de... On va essayer de faire une guérison sur Carlette. On peut pas tourner la vue? Non. Ça a rien soigné en PV, la guérison. On va mourir. Ouch! Rip Carlette! Diant, un de vos camarades est tombé au combat. C'est le bon moment pour le ressusciter. On va tellement mourir. Sélectionnez la compétence ressusciter un allié, puis choisissez la personne que vous souhaitez ramener à la vie. Sélectionnez ensuite une tuile de la grille de combat sur laquelle ranimer votre partenaire. Ça doit être un lieu sûr. Les coéquipiers ressuscités récupèrent la moitié de leur santé et un point de concentration. Mais du coup, guérison, ça l'a pas du tout soigné. Hein. C'est qui là que j'ai? Pagiste. Alors Pagiste, non, lui, Pagiste, il va taper. Hein. Il fait du 3 de dégâts, on est très mal. Hein. Moi je vais ressusciter Carlette. Du coup oui, Carlette je ressuscite. On va la mettre là-bas à côté de Kai. Ouais, je confirme. Vas-y, reviens parmi nous Carlette. Carlette elle va pouvoir taper pour la première fois. Du coup vas-y Carlette. Ok. J'ai esquivé. Oh, j'ai réussi à faire une esquive. Six. Il a fait 6 de dégâts. Allez, Carlette. Compte sur toi. Explosion! Du coup, la guérison, ça guérit rien du tout, quoi, en fait. On va soigner. Faudrait que je me soigne moi-même, en fait. Mais je peux également taper. Du coup, on va taper en même temps que je soigne. On va y arriver! Je crois qu'il va massacrer Kai. Je crois qu'il a massacré. Il a pulvérisé Kai. Ouch! Adieu Kai. Rip Kai. On aurait peut-être dû prendre un forgeron en vrai pour le. Pour le tanker. Hein. On n'a pas de tank. On va soigner Pagis en vrai. Parce que c'est lui qui est le plus dans le mal. Et puis il est bientôt mort. Hein. J'aurais peut-être dû ressusciter Kai aussi, ça va peut-être. Aïe aïe. Adieu Carlette. Adieu Carlette. Pagis il va taper et moi ensuite je vais ressusciter quelqu'un. On va ressusciter Kai. Ok, il va pouvoir taper, c'est bien.
Si ça va faire mal. Ça va, on encaisse. Ok, il est quasiment mort, on peut le faire. Explosion. Et il est mort. Bon, Carlette aussi est morte, mais il est mort. Il y a 25 pièces d'or, c'est... On peut partager ? Ah, chapeau, intelligence 100, on va le donner à Kai. Comment on ressuscite Carlette maintenant ? Ah, il y a un coffre à ouvrir, on va envoyer Pagis. Pagis ouvre le coffre. Il a dit avoir plein de choses dedans. Partageons les pièces d'or avec une hache que on va donner à Pagis du coup. Waouh, il y a plein de loot. Bonus d'attaque, immunité au recul. Oh, avec un beau bâton. Eh ben, il y avait tout plein de choses, mais ça nous a coûté extrêmement cher. Ça nous a coûté vraiment très très cher. Dis, entre l'un de vos camarades est tombé au combat. C'est le bon moment pour le susciter. Allez le chercher. Carlette. Par contre, on n'a plus qu'un seul cœur déjà. Du coup, lorsque vous n'avez plus de spectacle, vous pouvez plus revenir à la vie, donc on est dans le mal. Je sais pas s'il y a moyen qu'on en récupère, mais là on est dans le mal de chez mal. Mais genre vraiment. Ok. On va pouvoir se rendre ici pour mettre le feu, c'était un peu ce qui était prévu. Il y aurait pas moyen qu'on fasse un... Pour les membres de l'équipe, pourront les restaurer leur santé et regagner leur concentration. On va peut-être en utiliser un. Les conseils durent 8 tours et peuvent être utilisés par n'importe quel personnage qui a besoin de récupérer. Tout le monde y peut se reposer ? Pagis, il a récupéré sa vie. Kai récupère sa vie aussi. Carlette, va te reposer. Voilà. Repos total, repos complet pour tout le monde. Attendez, c'est qui là que j'ai? C'est Carlette. Ça fait quoi méditer? Ça donne de la concentration. Ok, ça c'est moi. On va se reposer également. Voilà! On est tout bon, on est tous full vie. On va pouvoir aller là-bas. Eh bien mon chou, au travail, brûlez-moi tout ça. Brûle! Brûlons tout! Je ne m'ennuie pas une seconde. Alors, tout peut arriver. Lors des rencontres, vous pouvez empocher du butin, vous lier d'amitié et obtenir des bonus. Faites preuve de prudence, une belle récompense présente forcément un risque élevé. Ouais, ça, on l'aura compris, faut faire attention. Très attention. Ici, vous pouvez consulter le résultat prévu de votre rencontre, selon votre jet et l'utilisation ou non de concentration. Ok. Donc réussite 12%, 34% de réussite, 5 de dégâts, passez votre tour. Bah, vas-y, brûle. Moins 5 de dégâts. Oh non, mais c'est lui qui a pris un moins 5 de dégâts. Vas-y, Pagis, retourne te reposer pendant qu'on a le camp. On va essayer, Kai va essayer. Kai va tenter d'aller brûler tout. Ouais.
Non, y a personne qui arrive à le brûler en fait ce bateau, sérieusement? Carlette, Carlette, elle va y arriver. Elle. Je veux le brûler. Allez, Carlette. Eh ben voilà. Excellent. La garde royale va être attirée depuis l'autre côté de la ville. Ouais, mais du coup, va falloir les esquiver maintenant. De la fumée. Qu'est-ce qui se passe? Va falloir se barrer. Vas-y, Carlette. On s'en va. Oh, il se met à pleuvoir. Vous n'auriez pas un parapluie sur vous? Non, j'ai pas de parapluie. Surveillez la météo, puisqu'elle perturbera vos voyages et vos combats. Bah ouais, bah ouais. Du coup, nous, c'est où qu'on va? C'est à la taverne là-bas maintenant qu'il faut qu'on aille, non? Et ensuite là-bas. Si on y arrive en un seul morceau. Ce qui n'est pas clairement pas garanti. En plus, il faut qu'on se barre de là rapidement. Ok, il nous manque Kai. Potence macabre. Mettez... On va tester ça. On peut non, Pagis, il ne peut plus bouger, je crois. Ah non, mais Kai, c'est pas le moment de foire. Arrête, TG ! Tire-toi ! C'est bon, normalement on passe à côté là, il nous a pas vu. J'aimerais bien voir c'est quoi la potence macabre là. Toujours représenter une menace. Ok. D'accord, on sait pas du tout ce que ça fait, c'est point d'interrogation. Allez, Carlette, on a foi en toi, brûle-moi ça. Total de vie augmenté. Plus 1 de vie. Bah bravo, Carlette. Incroyable! Le temps presse! Le temps presse! Le temps presse! Voilà qui n'augure rien de bon. Le chaos se rapproche dangereusement. Surveillez votre niveau de chaos pour éviter que les choses dégénèrent. Hâtez-vous, votre quête se termine à la fin du temps imparti. Ok, ok. Hey, j'ai récupéré un cœur de vie. Ça va, ça veut dire qu'on n'est pas totalement foutu. Mais presque quand même. Il va falloir qu'on attaque le gobelin, là. Mais Kai, il n'est pas à portée. Il faudrait attendre que Kai se rapproche. Kai, il est trop loin. Kai, dépêche-toi, avance plus vite! Ok, là je pense qu'on peut l'affronter. Là on devrait tous être là. On va tenter l'embuscade, hein, toujours. Waouh, c'est une réussite de l'embuscade. Oh là là. On est des professionnels. Alors. Ah oui, on a eu du nouveau matériel, du coup. Ok, il peut nous faire des éclairs de feu entre 0 et 13 de dégâts. Ou un éclair de feu puissant. Jusqu'à 20 dégâts. Ça sera un 3 parce qu'il s'est légèrement foiré. C'est pas grave. Pagis, Pagis, vas-y, attaque. En vrai, on le défonce, lui. Comparé au troll qu'on a fait. Allez, Carlette. Voilà. On l'achève. On partage toujours le butin. Oh, des bombes! On va les donner à Carlette. Il y a un coffre? Il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas de butin. Eh ben, écoutez, les amis, je pense en tout cas que c'est là-dessus qu'on va se laisser pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ce petit premier épisode vous aura plu. On a pu un petit peu découvrir le jeu. La prochaine fois, on ira donc brûler ce truc et aller attaquer la caserne.
En espérant ne pas mourir, parce qu'on a déjà plus que 2 cœurs sur 4. Donc j'espère qu'on va en récupérer d'autres. Oh, on peut zoomer, on peut bien, bien zoomer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Ah, c'est peut-être pour pointer. Sur ce, eh bien les amis, moi je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Des bisous et... Bye!